Nous sommes avec Jérôme Rose, un des responsables de la compagnie Les Comédiens pour Rire, à partir du 1er avril à Mont-sur-Marché, nos centres culturels. Une pièce qu'on a peut-être déjà vue, c'est Le Noir vous va si bien. Alors Jérôme, c'est de qui? Ça raconte quoi? Alors, la pièce est écrite par O'Hara dans les années 50, un auteur anglais, puis traduite par Jean Marsan et Jean Le Poulain. Célèbre par Maria Pacôme et Jean Le Poulain, bien évidemment, dans les années 70, c'est deux assassins, deux meurtriers, qui vont évoluer dans un manoir anglais dans le Sussex. Et tout au long de cette pièce, ces deux meurtriers vont essayer de s'assassiner pour hériter de leur fortune propre. Et dans ce manoir vit la sœur de Lucie, la protagoniste principale, son cousin et sa fille. Et dans ce manoir, dans cette enquête, il y a des policiers sous protection, il y a des policiers en cachette, c'est pas le terme exact, mais voilà, ils sont en planque et ils vont essayer de détourner tous les pièges créés par John et Lucy. Et voilà, bon, on connaît la fin de cette pièce, hein, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entretuer? Est-ce qu'ils vont finir par hériter? Est-ce qu'ils vont être sanctifiés par l'amour? Là, ça c'est le grand plaisir de cette pièce. C'est à découvrir donc à partir du 1er avril au Centre culturel de Mont-sur-Marché.